dachte, ah, Physik ist wahnsinnig schwer, schwerer als alles andere und das weiß ich nicht, ob ich das kann. Dann bin ich aber trotzdem in die Richtung gegangen und das hat einfach von Anfang an Spaß gemacht und das hat sich gezeigt, dass ich da auch mithalten kann. Und so haben sich die Dinge entwickelt und im Laufe des Studiums habe ich dann immer mehr von der Teilchenphysik mitgekriegt und auch die Möglichkeit, irgendwann nach Halden ans CERN zu gehen, als relativ junger Student. Und das war ein richtiger Motivationsschub, dann in die Teilchenphysik weiterzugehen und wirklich in dem Gebiet zu bleiben. Since I was a kid, I was very curious and somehow the answers that satisfied best my curiosity were about physics and about the universe and about the beginning of things, and that's what I was drawn more into. So I still, you know, it's something where I can put my mind into for hours and I can and I'm, you know, drawn into what are the answers and trying to get more out of that. So that was mainly the reason. So curiosity, that's what made me a physicist. And I like big machines. If I like, when I was a kid, big airplanes and big machines. And that really excited me. So particle physics is between both things. It's between asking for, you know, what are the smallest things and, you know, how small you can get into matter and, you know, and how was the beginning of the Big Bang? What was the beginning of the universe, if there was a beginning? So that with machines, it was just all perfect. Si j'avais une fille qui me proposerait de commencer ses études en physique aujourd'hui, est-ce que je l'encouragerais? La réponse est oui. Évidemment, j'aurais confiance en ma fille, en ses capacités intellectuelles, parce que la physique est un challenge intellectuel de premier ordre. Il est difficile de comprendre la nature, il est difficile d'apprendre le langage dans lequel on se parle, la mathématique, tout cela est abstrait. Ça réclame des capacités intellectuelles importantes et aussi une persévérance, parce qu'on n'apprend pas tout cela du jour au lendemain. Il vous faut jusqu'au bachelor déjà 3 ans d'études, dures, difficiles, à chaque université qui se respecte. Les taux de non-réussite sont pas négligeables. Ensuite, il y a 2 ans de master qui vous amène à un doctorat, normalement en physique des particules. C'est un doctorat qui s'ensuit. Tout cela décrit la carrière classique d'un physicien académique. Ce n'est pas la seule carrière ouverte aux physiciens, loin de là. À peu près la moitié de nos ressortissants décident, après leur master ou après leur doctorat, d'aller ailleurs, aux banques. Il y a même un chef d'orchestre. Il y a toutes sortes de carrières qui s'ouvrent à un physicien. Et ceci est dû au fait que l'on est entraîné à analyser à fond les questions, abstraites ou concrètes, que l'on a une méthodologie scientifique, que j'appelle toujours la mère des sciences. Hein, c'est notre approche à la nature qui s'applique à n'importe quelle autre science aussi. Et que l'on a aussi appris de communiquer et de collaborer. Il y a une hiérarchie en physique qui est relativement plate. Il n'y a pas cette pyramide là où le professeur est dans la il dit aux gens quoi faire. Non, non, loin de là. On travaille ensemble. Ces méthodes-là d'une hiérarchie relativement plate sont très très bienvenues aussi à l'industrie. Et je crois que même l'industrie a encore des choses à apprendre de nos méthodologies où le consensus et la discussion sont au cœur de nos processus de décision. Es gibt mehrere Aspekte, die sehr interessant sind am CERN und an der Teilchenphysik allgemein. Einerseits geht einfach darum, dass es um die grundlegenden Fragen geht. Also was sind wirklich die grundlegendsten Bausteine der Materie, was sind die grundlegendsten Kräfte und auch dieser enge Zusammenhang zur Kosmologie, zu den Ursprüngen des Universums. Also dass man da wirklich an der vordersten Front der Grundlagenforschung arbeitet, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der begeistert. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass man auch mit der Infrastruktur umgehen muss, die am Limit der möglichen Technologien stehen, also wiederum die Beschleuniger und die Detektoren.
Und ein dritter sehr interessanter Aspekt ist einfach, am CERN in der Teilchenphysik hat man es ständig mit vielen Leuten aus der ganzen Welt zu tun. In großen, kleinen Kollaborationen. Und dieser Mix von Kulturen, Sprachen, Vorwissen, Charakteren, Kulturen, das ist einfach zusätzlich zur reinen Wissenschaft wahnsinnig spannend. I follow my interest. I followed what I thought that it was what I wanted to do, and I push myself a little bit more to say, okay, but I can do this. I can do it better, or I can. And I push myself to places where I was uncomfortable, or where people told me that I would not be comfortable in. And I enjoyed it. I mean, I enjoyed, and I still enjoy it. So I think that's, I never made a conscious decision that I wanted to be a professor or that I wanted to be a physicist, but it just happened. I just let my career follow me and I keep pushing me step by step. Regardez les premiers 40-50 ans en physique des particules, quand j'ai fait mes études, le modèle standard n'existait pas. On ne connaissait pas les quarks, on n'avait aucune idée de ce qui se trouvait à l'intérieur du proton et du neutron. Toute la gamme de théories aussi, les forces du modèle standard, les interactions faibles, les interactions fortes, les interactions électromagnétiques étaient à peine comprises. On a fait des progrès phénoménaux pendant cette période-là, on a découvert plein de choses. Mais plein de choses restent à découvrir. On est loin d'avoir fini. On a, avec nos méthodes, compris 5% du contenu de l'univers. Et les autres 95%, vous croyez que l'on ne va jamais découvrir de quoi il s'agit? Non, je suis convaincu que l'on a tous les moyens de notre côté pour attaquer ces questions et que l'on va faire des progrès encore plus phénoménaux dans les 40 ans qui vont venir. Alors je peux qu'encourager les gens à, s'y mettre eux-mêmes, au moins suivre très très attentivement ce que l'on va encore découvrir. Was an?